Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne de Betty Bessery consacrée à sa campagne en vue des élections municipales de Capesterre, de Marie-Galante bien sûr. Alors, on fait aussi, vous savez, des petits reportages de terrain et là on a demandé à Bernard Mamie, hein, qui fait partie bien entendu de la liste de Betty, et bien de nous dire quelle serait sa Capesterre de rêve en quelque sorte. Et il est venu sur les plateaux, hein, le plateau de Duguay-Marécage, pour nous répondre. À bientôt, merci. Alors, une Capesterre de rêve, c'est justement une Capesterre accueillante, avec une entrée de bourg qui donne l'impression d'arriver effectivement dans une commune qui a une vie, un boulevard qui longe la plage, mais avec une plage vraiment ce que ça devrait représenter, une plage organisée. Aussi, l'entrée de bourg qui permet de retrouver justement la place centrale, le cœur de bourg, attractive, dynamique, qui non seulement donne une vision accueillante aux touristes, mais aussi qui donne la fierté aux habitants capestériens, capestériennes, de fréquenter le bourg, d'être bien chez eux. Alors c'est vrai que si on parle d'infrastructure, il faudrait déjà pour le touriste qui arrive trouver un relais qui lui permette de trouver ce qui est proposé sur le territoire, notamment des balades en charrette, ce qui créerait des emplois pour des jeunes. Aussi, trouver de l'attractivité, en ces termes, un marché, des espaces pour les artisans, une mairie quand même avec un poste de police visible et une maison de santé qui permettent de rassurer autant les visiteurs que la population. Retrouver une voirie qui permet en toute sécurité une circulation à l'intérieur du bourg et non pas à l'extérieur du bourg comme ça l'est actuellement. Et aussi permettre justement aux touristes de longer la côte et découvrir l'intérieur des terres avec les agriculteurs qui sont sur place, des fermes agricoles. En somme, un agritourisme qui ferait la fierté de Capesterre et donnerait des emplois aux Capestériens. Donc, ma vision, ce serait une Capesterre avec une équipe renouvelée, une équipe dynamique, une équipe qui en veut et qui a cette vision et dont j'en fais partie.